Jamais un animal sauvage n'a frappé l'imagination des hommes autant que le loup. On l'appelle la bête noire, le grisard, le dévoreur. Depuis le plus lointain Moyen-Âge, il occupe une place de choix dans les récits d'effroi et les légendes qui font trembler. Il est le malin aux yeux jaunes, le diable qui hurle à la lune des nuits d'hiver. Il est le compagnon des sorciers. Écoutez le vent qui hurle. Et le loup qui chasse dans la tempête. Écoutez cette galopade sur la terre gelée. C'est la horde des loups qui passe. Prend la forme du croque-mitaine, il devient le terrible loup-garou. Il est la terreur des bergers. Loup y est tué. Mais le loup ne répond pas. Il attaque. De tous les coureurs. Il peut parcourir 40 km dans sa nuit. Le vieux loup est infatigable. Aucune meute ne saurait le forcer. Écoutez-le ricaner dans la nuit. Il se moque des chasseurs et des chiens. Une légende tenace dit que dans une portée de louveteaux, le dernier né a tout le comportement du chien. Rien n'est plus faux. Le loup hurle alors que le chien aboie. Quand il boit, il aspire l'eau, tandis que le chien lappe de la pointe de langue. Une haine instinctive, vieille comme l'espèce, dresse le loup contre le chien. Ce n'est pas pour rien qu'en France et ailleurs, beaucoup d'anciens proverbes parlent des loups. Avec les loups, dit-on, on apprend à hurler. Le loup perd ses dents, mais non pas sa mémoire. Et dans nos campagnes, de nombreux endroits portent encore le nom de la bête grise. Ravin au loup, bois du loup, vallée au loup, loup pendu. Sans oublier cette très vieille forêt du Louvre qui bordait la Seine, là où le roi Philippe Auguste érigea un palais, pour l'emplacement de l'actuel musée du Louvre. Pressés par la faim, ils attaquaient les bateliers qui chargeaient du bois sur les berges de la Seine. Les Parisiens du Moyen-Âge redoutaient les loups comme la peste. Dans l'hiver de 1427, des bandes entrèrent dans la ville et s'attaquèrent aux hommes. Ils étranglèrent et mangèrent 14 personnes entre Montmartre et la porte Saint-Antoine. Les loups n'ont disparu en France qu'à une date récente et encore, il arrive de nos jours qu'en Ardennes ou dans le centre, on abatte quelques grisards solitaires échappés des forêts de Pologne, de Bohême ou d'Allemagne. Toutefois, la plus grande terreur qu'inspira un loup fut au XVIIe siècle, provoquée par la fameuse bête du Gévaudan en Lozère. Entre juin 1764 et juin 1767, la bête, comme on disait, attaqua une centaine de personnes. 80 périrent des morsures. La panique était telle qu'un régiment de dragons partit en campagne. Le 22 juin 1765, un loup fut tué. Un loup d'une force et d'une extraordinaire grosseur. La malédiction ne cessa pas pour autant. Il y eut d'autres morts. Un second loup de 53 kilos fut abattu. Le calme revint sur le Gévaudan. Mais pendant des dizaines d'années, veillé, on parla encore de la bête à voix basse, comme d'un loup-garou, mi-fauve, mi-sorcier, vomi par l'enfer. De nos jours, les superstitions ne sont plus de règles. Nous savons tous que le loup est un animal comme les autres, qui craint l'homme et qui est obligé de chasser pour vivre. Traqué, décimé par l'homme, l'espèce disparaît peu à peu. Les renards que les loups mangeaient prolifèrent, portant avec eux la rage dans les troupeaux et chez les chiens. Pour protéger l'équilibre de la nature, laissons vivre les loups dans leur dernier refuge des steppes sibériennes et des grandes toundras canadiennes.